Bon matin tout le monde. Alors aujourd'hui c'est le jour J pour aller à notre rendez-vous. Alors je vais me préparer parce que j'ai comme une crinière de lion. Alors je vais m'aplatir les cheveux. Je vais peut-être me mettre un peu de maquillage, mais pas beaucoup. Je vais finaliser les papiers qu'on a apportés. Et je vais partir avec mon copain vers midi et quelques pour arriver là-bas à 1 h pour qu'on puisse faire nos cartes. Alors, on a bien hâte de savoir le pourquoi du comment que ça fonctionne pas. On va l'essayer. Alors là, je voulais sortir mon fer-plat pour faire mes cheveux. Aujourd'hui, on espère au moins avoir des feuilles de, pas de prescription, mais pour aller passer des tests, au moins qu'on puisse avancer dans tout le processus. Sinon, on se met pas plus de pression qu'il faut parce qu'il faut pas stresser non plus, c'est pas bon. Donc on va y aller au jour le jour. Puis on va finir par trouver une solution. Quand même, c'est un peu stressant quand même, mais on est bien. On est comme pas stressé au max, comme qu'il y en a qui sont vraiment stressés quand ils vont là-bas. Nous, ça va bien là, ce matin. Pas plus stressé qu'il faut. J'étais en train d'écouter mon chien, il fait des conneries. Sinon, c'est pas mal ça. Alors, je risque de fast-forward ce moment-là. Parce que dans le fond, je vais m'attacher les cheveux. Puis, faire mes cheveux plats.
on se retrouve pas mal après avoir fait les cheveux. Ça se peut qu'il y a des petites couettes qui veulent pas y aller, là, mais c'est pas grave. Des cheveux pris dans mon fer plat, c'est assez dégueu. Il y a comme cette petite couette-là qui veut rien savoir. Alors, venez friser comme dans même pas 2 secondes. D'après moi, il y a sûrement des cheveux qui sont pas aplatis, là, mais c'est pas grave. Au moins, l'essentiel, c'est qu'il y en ait. Tu veux à manger? Bon, mon chien, il veut manger un matin, alors on va y en donner. Mon chien mange la bouffe Blue Wilderness. C'est celle-là, la poche bleue. C'est du saumon. En français, ça irait mieux. C'est du saumon sauvage, du venaison et du flétan. Du venaison. En tout cas. La poche, elle coûte pas mal cher. Avec les taxes et tout, elle m'est revenue à 91$. Mais c'est un petit chien, alors ça dure quand même longtemps. On va ranger ça. Bon, fait que là, il me reste à dîner ou ben, à l'heure qu'il rentre. Non. Il est 9h30, alors on dînera pas tout de suite, mais à déjeuner. Là, je sais pas quoi déjeuner. Oh, ouais, j'ai un araignée. Oh. J'espère juste qu'elle va rester là, puis que mon chat va falloir la tuer ce soir. C'est dégueulasse. Alors, ce matin, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait déjeuner. Je vais peut-être me faire des œufs. On a su des... Oui. On a des œufs. Bonne idée. Je vais me faire des œufs. Bon, ben, je pense que ça va être ça pour ce matin. On va se retrouver un peu plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après notre rendez-vous. Il est pas mal rendu 4h45 cet après-midi. Là, je vais commencer à faire souper. On voit ici des cannellonis au bœuf. J'attends que le four il chauffe pour le mettre dedans. Sinon, je vais faire... mariner du porc pour demain dans du sirop d'érable et sirop d'érable, sauce soya et moutarde. Sinon, c'est pas mal ça. Alors, je vais vous retrouver tantôt puis on va parler du rendez-vous que j'ai aujourd'hui. Je trouve, il est rendu, je sais pas trop quelle heure, proche de 5h30. J'ai été promener mon chien dehors. Excusez-moi les petits yeux, c'est parce que le soleil, j'ai pas mis mes lunettes. Bon. Là, j'en ai promené le chien, mais pour le rendez-vous d'aujourd'hui, ils nous ont carrément dit qu'on doit perdre du poids parce que c'est ça qui m'aide pas. Alors, je vais vous emmener là-dedans avec moi. Aussi, j'ai fait des prises de sang aujourd'hui pour faire un bilan sanguin. Alors, on va avoir les résultats au mois de juillet. Puis mon chum, il va avoir un spermogramme à passer et tout. Il va avoir genre toute la panoplie d'examens qui va peut-être débuter, mais aussi ma thyroïde. Ma thyroïde qui est en cause là-dedans. Alors,
tant et aussi longtemps que ma thyroïde ne se rend pas à 2,5, je ne pourrais pas aller en fertilité. Alors, il faut que j'attende que ma thyroïde se stabilise. En ce moment, ma thyroïde est à 24, je crois. Je ne suis pas certaine, mais j'ai quand même un bon bout à faire. Alors, on verra ce que ça donne. Bon, ok, bonne, on va à la maison. Fait que c'est ça qui est ça. Pour les premiers rendez-vous. Fait que je vais vous tenir au courant parce que là, j'ai vraiment le soleil dans le visage. Alors, on va passer là-dedans ensemble, moi et vous. Puis, je vais donner le plus de détails possible sur le cheminement. Pour l'instant, c'est perte de poids et stabilisation de la thyroïde. Alors, c'est ça qui est ça. On risque de peut-être se retrouver plus tard. Bonsoir tout le monde. Je voulais conclure le vlog. Il est présentement 11h50. Je suis en train d'écouter mes deux vlogs que j'adore écouter le soir quand je me couche. Il y en a un que c'est Alexandra Larouche et Kim Demers. Alors, tous les deux ont posté des vlogs ce soir. Alors, je les ai écoutés. Pour aujourd'hui, on a eu pas mal une claque au visage, comme on pourrait dire, concernant notre problème de fertilité, comme je disais plus tôt. Il faudrait qu'on perde du poids pour que ça l'aide à régulariser les cycles menstruels. Aussi, je dois continuer de prendre ma médication pour qu'on puisse stabiliser la thyroïde, comme je disais. Alors, d'ici là, il faut attendre la prochaine prise de sang qui est au mois de juin, mi-juin. Puis on va voir si ma TSH, c'est pour la glande thyroïde, pour voir si elle est descendue de son 24 qu'elle a en ce moment. Il faut qu'elle se rende à 2,5. C'est quand même un grand écart. Alors, on doit être patient. Puis, si jamais ma glande thyroïde est à 2,5 et ça fait plus de 2 mois qu'on n'est pas capable d'avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas, il va falloir prendre un rendez-vous à Sainte-Justine pour investiguer davantage. Fait que c'est pas mal ça. Je vais terminer le vlog d'aujourd'hui pas mal à l'instant parce que je dois aller me coucher, je travaille demain. Alors, on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Merci de m'avoir écouté. À demain.